J'aime beaucoup ton concept de relève managériale qui est non conventionnel. Explique-nous un peu qu'est-ce qu'il y a dans ta tête, puis comment tu t'y prends, puis pourquoi tu fais ça. Bon, vous expliquer ce qu'il y a dans ma tête, là, ça va prendre plus qu'un podcast. OK, ça, c'est... Non, je fais des farces, mais quand on a acheté Metal Bernard, moi, j'avais pas une scène. Et j'ai ma belle-mère qui m'a aidé, j'ai cassé mon cochon et il manquait du cash. Et il y avait un employé, Ginette Turmel, a pris toutes ses économies pour nous aider. Si elle n'avait pas été là, on n'aurait pas été capable d'acheter l'entreprise. Puis Ginette, ben, elle a pris sa retraite, elle est devenue associée et ça lui a donné une retraite heureuse. Ça, c'est un moment fort dans ma vie, d'avoir senti qu'on avait fait une différence positive durable dans sa vie. Fait que ça, là, si on est capable de le faire plus souvent, pourquoi pas? Tu sais, avoir des associés, c'est de partager avec ces associés-là. On veut-tu être le gars tout seul qui s'en va manger à queue de cheval ou d'être avec une gang de chums au Saint-Hubert? Ben, on est plus une gang de chums au Saint-Hubert, fait qu'on voulait amener des gens avec nous autres.